Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 sur Resident Evil 4. On continue l'aventure. On s'était laissé ici. Alors les gars, il faut savoir que en off, je Bienvenue. suis allé En quoi puis-je t'être récupérer utile? beaucoup de choses. J'ai vendu beaucoup de choses, j'ai récupéré certaines choses. Donc là, on est plutôt S'il te reste des bien, comme choses à vous faire, tu savez. ferais bien de t'en occuper Dans avant Resident d'aller Evil, il faut par souvent là. faire des allers-retours, faut souvent récupérer les choses, revenir sur ses pas, etc. C'est ce qu'on a fait, et du coup, on a récupéré tout ça, comme vous le voyez là. J'ai pu vendre la poule d'or, j'ai pu résoudre pas mal Ce serait vraiment dommage de d'avoir des petites bienvenus. énigmes là, des petits défis qu'il faut réaliser. Donc maintenant, on est Comme tu parti en voudras. direction de l'église pour aller récupérer, retrouver Ashley. Hein. Bien évidemment, c'est l'objectif depuis le départ. On se rappelle qu'il y a un médaillon ici. On va essayer de le péter et aller le donner au vendeur. Et puis, on est bon. Allez, on est reparti. Objectif. Retrouver Ashley à l'église. Le temps est toujours dégueulasse. Il pleut. Alors là, il y a un médaillon. Il faut juste que je le trouve. Ce bruit ne m'inspire pas confiance du tout. Il est où le médaillon là? Il est là. Non. Non. Non, pas maintenant. Oh non les gars, c'est maintenant. Je pensais vraiment pas que c'était maintenant. Le El Gigante fait son apparition. Et là par contre, les gars, ça va être chaud. Ça va être chaud de ouf. Putain. Vaincre le géant. On va essayer de le vaincre. Ça va être chaud. Courir. Je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. Ouais, cours, 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 cours. Non, il m'a chopé. Couteau. Oh là là, El Gigante. Oh, il charge. Oh putain, je pensais pas qu'il chargeait. Oh là 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 là. Oh, en plus, j'ai pas énormément de soins. Oh putain, ça va être chaud. Ok. Ça c'est fait. Attaque de mêlée. Vas-y. Attaque. Attaque. Couteau. Ok. Je vous avoue que ça fait tellement longtemps que j'avais joué à ce jeu. Vas-y, mitraillette. Non, il y a des loups. Oh le loup! Oh le loup! C'est vrai qu'il y a un loup qui nous aide dans l'original contre le Gigante. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Il me cache. Je me cache. Cours. Oh là 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 là, il est gigantesque. Tu peux bien m'aider, petit loup? Il s'en bat littéralement les couilles. Esquive! Oh putain! Recharge. Allez, tape-lui des balles. Oui, mon petit loup! Mon petit loup! Mon petit loup! Mon petit loup! Ça, c'est mon petit loup, ça. Allez, aide-moi encore, s'il te plaît. Ok. Voilà! Très bien joué, mon petit loup. Ouah, il esquive! Mais esquive, Léon, esquive. Cours, sauve ta vie. Ok. Ok. Ouah! Oh non, j'aurais dû esquiver.
J'ai un soin, j'ai un soin, j'ai un soin, j'ai un soin, j'ai un soin. Soin, 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 soin. Ok. Ok. Tu peux faire quelque chose, mon petit loup, s'il te plaît? Pas visé quand même comme il faut. Cours, 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 il me fait stresser. Ok. Touché. Il descend. Attaque de mêlée. Go. Allez. Hop, 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 hop. On se le fait. Au couteau. El gigante. Ok. On a trouvé de l'herbe. On va se faire un soin. Parce que sinon, on va être dans la merde. Allez. Tac. Ça, c'est fait. Oui! Il est mort? Moi, il est mort. On a eu El Gigante. Oh la vache! Oh là là, mon petit loup, tu es incroyable! Waouh! Quel début d'épisode, les gars! Je m'attendais pas qu'on le joue tout de suite. Mais bon, c'est assez normal, on va dire. Hein. Par contre, toi, est-ce que je peux te faire un bisou? Merci, vieux. Ah oui, oui. Je te fais un bisou. Hein. Je te fais vraiment un bisou. Bon, par contre, du coup, où est le médaillon? Parce que visiblement, il est toujours là. Là, je peux y aller. Oh là là. 6 mois, ses dents viennent à peine de percer, mais il enfourne tout ce qui se trouve à portée de sa bouche. Il ne peut pas encore marcher, mais il a avalé un chien tout entier. 9 mois, il est déjà plus grand que moi, mais sa croissance ne semble vouloir s'arrêter. Il commence à être à l'étroit dans la maison communale. 10 mois, nous l'avons déplacé dans la carrière, mais il continue à grandir. Il est capable de dévorer une vache entière en seulement 3 jours. 13 mois, il peut bondir, brandir notre plus grande pioche comme si ce n'était qu'une brindille. Un des hommes du village a bien failli se faire manger aujourd'hui. Il lui faut plus de nourriture. 17 mois, il ne nous reste plus que quelques vaches. À ce rythme-là, tout le village va manquer de nourriture. Nous avons demandé de l'aide au château et ils l'ont endormi à l'aide d'une incantation. Espérons qu'il ne se réveille pas de sitôt. Évidemment, c'est un document qui parle d'El Gigante, ce gros troll qui en a fait peur plus d'un dans ce Resident Evil. Par contre, où est ce médaillon? Parce que on me dit qu'il est à gauche là, mais je le vois pas. Il est pas en haut. Oh, il est là-haut. Ok. Il y en a plus. Donc ça sera fait. Oh là, il est terrible par contre. Hein. Ils l'ont vraiment très très bien fait. Et j'ai beaucoup aimé la scène avec le loup. Parce que du coup, le loup dans l'original nous aide. C'est plutôt pas mal. Du coup, direction l'église. L'église, c'est par là. Attendez, il y a un truc que j'ai oublié ici, la poudre noire. Je vais la récupérer. Ça va être là-dedans, non? Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut se faire des balles de quelque chose, là, ou pas? Ah, je peux me faire des mines. Également. On va plutôt se faire des balles de pistolet, je suis bien. Mitraille, j'en ai pas. Mitraille, j'en ai pas. Des carreaux, je crois que j'en ai pas mal, des carreaux. Ouais, ouais, on va se faire mitraillette. Hein. J'en avais pas assez. Allez, toi, reste là, fais dodo, s'il te plaît. Et nous, on y retourne. Hein. C'est reparti. Église. Église par là. Elle glisse par là. Tu peux mettre ta lumière? Ça me fait vraiment peur là. Ok. Ok. En espérant qu'on retrouve vite notre ami, notre bel et tendre Ashley. Ok. Ok. Il y a un bruit qui m'inspire pas du tout confiance. En plus, c'est terrible, on voit rien. Oh la vache. Je peux pas mettre ta lumière, Léon.
Il est mort? Ok. Alors, attendez, est-ce que c'est par là? Ouais. C'est par là. Alors, moi, j'aimerais juste aller à l'église, s'il vous plaît. Et l'église, c'est par là. Let's go. Ouh! On est parti, les gars. Ouvre-toi, Sésame, s'il te plaît. Merci. Let's go. Pour cette charmante église. Je viens vous aider. Mais crie pas comme ça, voyons. On risquerait de t'entendre. Allez, ça mange pas de pain. Hein. Franchement, des balles, autant en avoir un max. Hein. Ok. Chercher Ashley dans l'église, bien évidemment. C'est notre objectif principal depuis le début de l'aventure. Hein. Trouver notre cher Ashley. Munitions de mitraillette. Bah, je prends, hein. Écoutez. On n'a pas suffisamment. Hein. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Un bouton bleu. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudra que je teste cette arme, hein, parce que j'utilise pas assez. On va tester ça après. On recharge tout, on recharge tout, on reload tout. Des carreaux, je prends. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Un levier. Ok. Ah. Voilà pourquoi j'avais un bouton bleu. Ok. Utiliser. Parfait. Ah, il va falloir refaire. La forme de la clé, je pense. Pourquoi il y a des bruits autour de moi? Il faut que tout les... Alors là, c'est encore une énigme. Je pense qu'il faut remettre les couleurs ensemble et reformer la forme de... Ah mais c'est pas évident. Hein. Attendez, je vais fouiller un peu les horizons avant de continuer. Petite clé, ok. On va tout fouiller avant de continuer notre venue dans cette église. Là, il n'y a rien. Ouais, ben en fait, c'est que ça. Hein. Je suis obligé d'essayer de trouver l'énigme en question. Parce que là, il n'y a pas de passage, il n'y a rien. Ouais, et ben écoutez, on va chercher. On va bien trouver hein, comment résoudre cette forme. Ça va encore me saouler, ça, je le sens. Hein? Ah, là on tient un truc. Ah, ça va. Pas si compliqué que ça non plus, on va dire. Juste réfléchir un peu et être patient. Ok. Alors, on continue. On monte à la recherche d'Ashley. Ashley, vous êtes là? Dites-moi que vous êtes là. Là on a une porte. Avant d'y aller, on va voir ce qu'on a là-bas. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, son téléphone. Ok. On est sur la bonne voie là. Là on est sur la bonne voie clairement. Ah, là j'ai besoin d'elle pour aller là. Ok.
Ok. Ashley? Ashley Graham, vous êtes là? Oh punaise! Elle m'a fait peur. On est ensemble, on est ensemble. Je suis là pour toi. Je m'appelle Léon. Je suis ici sur ordre du président. Ok. Ok, super. Franchement, les gars, elle est bien faite, je trouve. Hein. Hey, c'est dangereux dehors. Il faut que tu m'écoutes. C'est quoi ça? Là-bas. Poursuivez-les. Les agneaux égarés s'enfuient. Perseguidles. Offrez-leur d'eau. Le salut. Ok. Ok les gars, fin de ce chapitre. Oula, fin du chapitre 4. Et bah dis donc, on a enfin retrouvé Ashley, objectif atteint. Mais maintenant il faut partir, il faut fuir cet environnement. Et là les gars, ça s'annonce vraiment chaud. Parce qu'il va y avoir vraiment, on va avoir beaucoup de fil à retordre. On va y aller, on va continuer. Let's go. Let's go, let's go. Qu'est-ce qu'on fait? Ton père me fait confiance. Alors fais-moi confiance, toi aussi. Et fais exactement ce que je te dis. Je vais te ramener à la maison. D'accord. D'accord, Léon. Ok. Très bien. Petite phase d'infiltration, okay. Les gars. Il va falloir partir de manière très très discrète sans que ces monstres nous voient. D'accord. Allez, vas-y. Ashley de retour. Allez, monte. Alors, est-ce que du coup ça va être bien comme l'autre? On va devoir lui donner des ordres, lui dire de rester là, de pas bouger. Je pense que ça va être comme ça encore. Hein. Ok, mine, des petites mines. Là, on a encore un rat. Ok. Là, on a rien. Énormément de balles, ça fait plaisir ça. On va passer par là. Hein. Je me demande si... Ouais, je sais pas s'ils peuvent venir, mais en tout cas... Bon allez, viens, on y va. C'est mort. Mais si, allez. T'inquiète, je te rattrape. Allez. Ça va aller, Ashley. T'inquiète, Léon a des bras. Voilà, ça c'est un gentleman. Oh la vache, ça va être chaud maintenant. Il va falloir la Merci. Protéger, la dame. Bah de rien, hein. Allez, on y va. Perchoir, je suis avec Eglon. Reçu. Elle va bien? Affirmatif. Bon travail, Condor 1. Un hélico par deck possible. Je t'envoie okay. Les coordonnées exactes du point d'extraction. Rends-toi là-bas et qu'il n'arrive rien à Eglon.
Allez, ça marche. Fais vite, le temps se dégrade. Terminé. Allez au point d'extraction. Ok. On va au Comme point d'extraction. Disais, ça va être dangereux. Reste près de moi. D'accord. Surtout, ne me lâche pas d'une seconde, hein. Ne me lâche absolument pas, ma belle et tendre Ashley. Ok. Ah, pardon. Bon. Ok, je la vois, la demoiselle. Ordre à Ashley. Appuyez sur R3 pour demander à Ashley de se rapprocher ou de s'éloigner. Garder Léon et Ashley proches l'un de l'autre peut s'avérer efficace pour courir au milieu des ennemis. D'accord. Faut qu'on reste ensemble quand on court. D'accord. Ordre à Ashley, appuyez sur R3 pour demander à Ashley de se rapprocher ou de s'éloigner. Rester à l'écart pour permettre à Ashley d'éviter certaines attaques ennemies. Ouais, normal. Ok, ouais, bah c'est comme dans l'original, hein. Ils ont tout bien respecté. Parfait. Ok. Ouais, venez maintenant la photo d'Ashley. Reste près de moi, hein. Surtout ne t'égare pas. Allez, on va se la tuer comme ça. Voilà. Cache-toi. C'est pas qu'il nous voit. Parce que c'est leur prière, mais... Reste près de moi. C'est Ridley. Fais gaffe, reste derrière moi. Oh non. Oh putain. Ok. On se barre. Ah! Reste bien près de moi. Allez, meurs. Ok, on se part, hein. Alors là, moi je te mens pas que je cherche même pas à comprendre là. Je vois une flamme violette là-bas, on va y aller. Oh la vache. Fou. Attendez. Non, j'ai pas de... Ah si, je peux me faire des balles. Vas-y, balles de mitraillette. Et c'est tout. À tous les coups, je vais attraper un rhume. Oh là, là, franchement, je m'en fous. On s'en fout de ton rhume, là. Bonjour, mon très cher étendre vendeur. J'ai récupéré Ashley, t'as vu? J'ai mis la main sur quelques rares. Alors, j'ai 5000, j'ai rien à te vendre. J'ai 6 petits bijoux, là. Qu'est-ce Comment qu'on va prendre? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. Précisément, elle peut être montée sur des fusils et certaines armes automatiques, ok. Une fois équipée, elle réduit le recul, ok.
J'hésiterais entre ça et ça, un pistolet qui est faible. Parce que de base, Punisher sur l'original, il est plus faible que le pistolet qu'on a de base. Donc je sais pas si je le prends ou pas. J'hésite. On va se faire. Ouais. La lunette longue distance, je sais pas. J'hésite. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Pour l'instant, je vais rien te prendre. Je vais rien te prendre pour l'instant, mon cher et tendre vendeur. Par contre, normalement, il y a une save. Ouais, je vais sauvegarder. Parce que du coup, là. C'est un peu tendu ce qui se passe. Dans l'espace. Donc, on va continuer. Ah, là, on a une nouvelle quête. J'ai besoin de quelqu'un nous débarrasse de ce chien sauvage qui rôde autour du village. Il est très facile à repérer. Il ressemble pas à un chien normal. Ça m'aide vachement, hein. Ok. Mais on peut faire une pause? Désolé, ça devra attendre. Ouais, je suis désolé là. Hein. Tant pis. Faut que tu restes bien avec moi, c'est tout ce qui compte. Ok, c'est bon. Ok. Donc attends, L3. Reste près de moi. Compris. Donc reste près de moi. Distance. Et là tu bouges pas, ok. On y va. Ok, vas-y, viens. D'accord. Ok. C'est vraiment pour tester. Donc là on était là tout à l'heure. On va revenir dans le village. Le point est là-bas. Il va falloir y aller. Attends là. Il y a de la poudre noire, est-ce que je peux me créer quelque chose? Non, pas cette poudre. Anigan avait raison pour le temps. Ah oui. Que je vois. Ok, ok, ok. Dégage. Non. Putain. C'est chiant tes conneries toi hein. Ok. Niveau soin je suis comment là? Ouais, c'est pas la sécurité hein. Ok. Ok. Quoi? Tellement de gens. Ok, ok. Ok, ok, recule, 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 recule. Reste près de moi. Reste près de moi. On va se faire de loin. Ok. Grenade. Faut, au bout d'un moment, faut les utiliser. Hein. Franchement. Au devant. Tu pourrais prévenir au moins. Bah j'ai prévenu et je dis chaud devant. Ah oh, punaise! Quand Ashley est ici à l'attaque, Ashley se retrouve temporairement dans la suite de bouger. Ok, 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 ok. Ça va? Tout va bien? Ouais, ça va. Allez, courage. Tout va bien se passer, hein, t'inquiète. Par contre, là, je suis pas bien du tout. Mais j'ai pas beaucoup de soins, j'ai pas envie d'utiliser tout de suite. On va attendre encore un peu. On va voir si on peut trouver d'autres soins. Ok, faut que je rentre par là. Lumière s'il te plaît, merci. Surtout me lâche pas d'une semelle Ashley hein. Parce que là il y a du monde. Oh là là. Il a mal fini le village hein. Pa, 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 pa.
Alors, le point, il est là-bas. Ok. Non, on va pas aller là. On va aller à l'endroit où je pouvais pas aller, où il fallait Ashley, justement. Donc, ici. Non, c'était pas là. C'était cet immeuble-là. Voilà. Bien. Vas-y. Ok. Monte. Je vais m'ouvrir en bas. Hein. J'ai besoin que tu m'ouvres de l'intérieur. Vas-y, hein. Ok. Merci, Ashley. Je t'en dois une. Tu gères. Bien joué. C'est lourd ce que tu proposes. C'est très bien ce que tu proposes. Un petit bracelet. Ok. Ok, l'ambiance est terrible, les amis. C'est terrible. Ouf. Bah écoutez. Bah on va continuer par là. Hein. Non. C'est pas par là. C'est derrière. Oh là là. Ça fait flipper. Ça fait clairement flipper. On monte. Il y a un mec là, on s'en balèque. Hein, on s'en fout. Cordialement. Là, il y a un mec très proche. Ok, on va se faire. Dégage. Oh putain. Moi aussi, je le savais. Putain, cette arme est très bien, mais c'est... Oh, fais chier. Wouah. Oh non! Oh non 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 non! Attends, 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 attention là. Là on n'a pas le choix. Ok. Ok, ok. Ne te transforme pas s'il te plaît. Ok. On y est presque, Ashley, on y est presque. Don't worry. Pas d'inquiétude, on y arrive. Ok. Là, on a ramassé ce qu'il y avait à ramasser. Reste à distance. Ok. On y va. On y va, on y va, on y va. D'accord. Allez, go. C'est par là, hein. Ouais. On va passer par la ferme. Ok. Ok. Oh la vache. Ça fait flipper sa maman. Ok. On va sauvegarder ici. Au cas où. Fouh. Ça ne s'arrêtera donc jamais, hein. Vraiment, ça ne s'arrêtera donc jamais cette histoire. Viens là. Ok, ok, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Ouais, 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 ouais. Allez, ça dégage. Ça te transforme ou pas? Ok, ok. Dégage. Y'a un gros. Y'a un gros. Je déteste les gros. Ah franchement, mec, je m'en bats les couilles, hein. Là, on s'en lâche tirée lourde. Et à un moment donné, il n'y a plus le temps de jouer, hein.
Je peux lui casser. Ça par contre c'est pas bon. Il m'a donné un autre couteau, donc ça va. Ok. On suit toujours le chemin pour se barrer. Oh la vache! Arrête ta course! Pourquoi ça les... Oh là là. Ici il y avait un trésor. Ici il me semble qu'il y avait un trésor que j'ai pas récupéré. Ouais, regardez. On a même deux. Attendez, on va aller voir ça vite fait. On va aller voir ça vite fait. Ce trésor. Il est... Il y en a un là, là. C'est là, je crois. Voilà, reste près de moi. Ah, c'est là. Le pichet. Parfait. On a des caisses. Ah, pète. Oh, c'est terrible, on voit rien. C'est terrible, les gars. Et l'autre trésor. Il était où? Il était, je crois, là. Hein. Je peux y aller ou pas? Non, faut que je fasse le tour. Ok. Oh, cette ambiance, elle est terrible, les gars. Vraiment, je suis pas bien. C'était ici. Ok. Allez, donne-moi du bon, s'il te plaît. C'est quoi? Une pipe ancienne, ok. Une deuxième pipe ancienne. On en avait déjà eu une. J'ai plus de balles de pompe. Là, c'est un peu moins cool, par contre. Fallait pas là, hein. Ouais. C'est bon, je vais tout récupérer, ici. Ok. Là, il y a une lumière. Ok. On continue par là. Ok. Quoi? Oh! Lucera! Lucera! Allez, courez, 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 courez! Oh, nice! Oh la vache! Je vais te retrouver ta señorita. La señorita a un prénom et c'est Ashley. Et vous êtes? Moi, c'est Luis. Encantado. Super. Les présentations sont faites. Alors, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fous ici? Très bonne question, malheureusement. Oh punaise, ils ont réussi à rentrer. Vite. Dans ce cas... Viens, aide-moi. Ashley, dépêche-toi. Par ici. Allez, 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 allez. Non, petite phase là avec Luis Serra. Ça va être cool ça. Ok. Prêt pour l'action? Ah oui. Là, je suis prêt. Let's go pour survivre à l'attaque, les gars. Ok, ok, ok. Ok. On barricade. Non, plus que tu l'as fait, mais pas. Attends-toi. Ok. Allez, mon petit Lucera, j'espère que tu vas servir à quelque chose. Hein. Oh, c'est intense. Il y a une de ces intensités là. Wouh! T'es déjà là toi! Dégage! Ah, même deux fusils, trop de balles. Oh, ça fait plaisir de jouer des phases à plusieurs. Oh! Moi je t'ai pas vu. Allez, ça dégage.
Allez, Louis. Mêlée. Allez, boum, ça dégage. Arrêtez, j'ai pas le temps pour vous. Enfin, on n'a pas le temps pour vous. Fleur. Attends, attends, je me fais un soin vite fait. On va se faire quoi? Des balles de pompe, j'en ai plus. Des balles de fusil, j'en ai plus. Et on va se faire soin. Allez, un bon soin. Ça, ça mange pas de pain. Et du coup, je peux prendre ça. Ok, 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 là, t'as la sortos, sortos, sortos. Yes. Allez. Allez, recharge. Oh, le monde qu'il y a là. Intensité de fou, les gars. Oh, oh. Toi, je t'ai pas vu. Toi, t'es un petit tank cucu, je t'ai pas vu. Et en plus, tu fais grave mal. Mêlée. Oh, fais chier. Mêlée. Ok. Ok, planche. Ok. Ok. Oh non. Oh non, 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 non. Oh, mais y'en a trop. Merci. Je peux pas me faire des mines là? Non. Putain. Ok. Allez, j'en ai marre de vos conneries. J'en ai marre, moi, de vos bêtises. Faut arrêter. Faut arrêter. Oh, cette phase avec la musique, là. Quoi? Il va où, lui? Il va où, lui? Mais expliquez-moi, ça s'arrête quand là? Attends, parce qu'il y en a un en haut, je crois. Utilise quoi? Non. Mais c'est quoi qui m'a donné? Attends, on va utiliser. Regarde pas. Non. Pas lui. Regarde. Je crois qu'on a un gros problème. Ouais, on en a un. On en a un immense là. Attends, attends, grenade. Mais non, mais non, mais non. Wouah! Oh mon dieu! Je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Il me faut du soin. Oh là là, mais les gars, c'est intense de ouf là cette séquence!
Mais j'hallucine là, c'est... Ça s'arrête pas. J'en ai plus. Ça s'arrête jamais. J'entends une grenade. Ouais. Oh, saute. Ouh. Oh la vache. Y'a le gros. Wouh. Oh mon dieu. Ça s'arrêtera donc jamais. Allez. On se barre. Oh là là. Oh la vache. Oh là là, c'était dingue là cette séquence. Oh là là. Ashley. Mais qu'est-ce qui arrive? Ashley, est-ce que c'est la première fois que tu craches du sang comme ça? Tu nous expliques? La tour, le sang. C'est dû à quelque chose qu'on appelle... Blaga. Ok. Ok. T'as vu ces... ces gens, pas vrai? Bah toi, t'as la même chose dans ton corps. La même chose qui les a rendus... comme ça. Ça, ce qui t'arrive, ces symptômes... Eh ben c'est que le début. Je veux pas devenir comme eux. Quelque part on peut dire que t'as... de la chance. Tu vois, à ce stade précoce... parasite, la plaga. Il est encore possible de l'extraire par une opération chirurgicale. Il faut juste un peu de savoir-faire et aussi le bon matériel. Quoi, toi aussi? Vous en faites pas. Louis a un plan. Mais va falloir me faire confiance. Bah justement, ça le problème. Super, on est partenaires. Attends, pourquoi tu... Pas de temps pour les questions, l'heure tourne. Pourquoi tu nous aides? Eh bien, ça m'aide à me sentir mieux. Restons-en là. Je vous recontacte plus tard. Aïe, aïe, aïe. Luis Serra. Eh ben voilà, les gars. Fin du chapitre. Waouh. Enfin, chapitre très rapide. Mais tellement intense, j'étais absolument pas prêt du tout. Waouh. On commence au chapitre 6. Je pense, les gars, qu'on va continuer et trouver un vendeur et arrêter. Il faut juste un vendeur et après on va essayer d'acheter des choses, vendre des choses et s'arrêter là. Mais waouh, quel épisode de dingue! Bien sûr, ta marque préférée. Alors, où est l'ambre? Malheureusement, je l'ai pas sur moi, là. Et tu devrais plutôt me féliciter pour mon excellent travail. Parce que je me suis cassé le cul pour le planquer, juste avant d'être capturé. Ce qui me vaut d'ailleurs... d'être encore en vie. On était d'accord. On te faisait sortir d'ici en échange de l'ambre. Pas d'ambre, pas de protection, Louis. À cheval sur les détails, hein, Ada. Très bien. Je vais le chercher maintenant, ok? Et j'ai aussi quelque chose d'autre à aller chercher. Ici Perchoir. Mauvaise nouvelle, Condor 1. Avec le temps qu'il fait, l'hélicoptère ne pourra pas se poser. Est-ce que tu peux attendre que ça se calme? Négatif, trop risqué. On va essayer de trouver un endroit plus sûr. Désolé, j'aimerais pouvoir faire plus. T'en fais pas pour ça. On rentrera à la nage s'il faut. Condor 1, terminé.
on y va. Ok, on débute au chapitre 6, les gars, et comme vous l'avez vu, t'inquiète pas. Déjà une belle flamme là-bas, ça me rassure. Et comme vous l'avez vu dans la cinématique, on a eu la première apparition de Ada Wong. Ada, qui est un personnage important dans l'histoire quand même. Vous verrez par la suite. Et elle est très 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 bien modélisée, notre très charmante Ada Wong. Ok, donc on se retrouve ici. Qu'est-ce qu'on a? Des cartouches de fusil, bien évidemment, parce que bon, c'était un peu le caca, hein, on se dit des choses. Les Illuminados nous ont enlevé tout, enfin nous ont fait perdre toutes nos munitions. Du coup là on est où? Ok, dans un endroit qu'on n'a jamais vu encore. Ok, on récupère pas mal de munitions. Je vais pas ouvrir la porte, je vais juste récupérer les choses. Renforcement des défenses. Ceci est un ordre provenant discrètement de Lord Saddler. Transformer la zone au-delà de ce point en une position défensive de sorte qu'aucun intrus ne puisse passer. Je suis prêt à accomplir tous les sacrifices pour la foi juste. Renforcement des défenses. Mes fidèles croyants, construisez-moi une forteresse imprenable. Faites en sorte que tout pain assez fou pour s'aventurer dans ce domaine paie ses péchés par le sang. Ok, ça inspire vachement confiance. Donc les gars, on va aller voir notre ami le vendeur. On va casser ça. Et ça. Tac. J'ai quelque chose qui pourrait bien te plaire. Eh ben on va voir ça, monsieur. Astuce du marchand, on est nocturne, tu as déjà croisé ces types avec des tentacules qui sortent de leur tête, bien sûr. Non seulement ils sont dangereux, mais en plus ils sont pénibles à tuer. Heureusement, ils ont un point faible, ils ont horreur de la lumière vive, comme celle du soleil. C'est pourquoi on ne voit jamais, on n'en voit jamais en journée. Bref, s'il te prend l'envie de te promener la nuit, je te conseille vivement de garder quelques grenades aveuglantes sur toi. Moi, j'en ai toujours une ou deux sous la main. Si ça t'intéresse, tu peux même en fabriquer toi-même grâce à la formule que je vends. Ok, super. Eh ben écoute, avant ça, on va regarder ce qu'on a eu. Donc ça, on va mettre une pièce jaune et rouge parce que j'ai que ça, bien évidemment. Tac. Tac, tac. Et sur notre autre trésor, on va mettre deux pièces rouges du coup. On va pouvoir vendre, ça c'est cool. Nickel. Et la pipe, ça se vend comme ça. Ça, ça va plus être utilisable, ça non plus. Donc les deux là, on va pouvoir les vendre. Une petite clé. Ok, et eh ben, mon ami le vendeur. En quoi puis-je être utile? Fusil émeute? Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Un fusil à pompe semi-automatique, efficace même à distance grâce à une dispersion réduite. Ok. Eh ben les gars, est-ce qu'on se vendrait pas notre pompe pour prendre celui-là? J'achète 55 000 notre pompe. Quoi. Ah non, non, pardon. 57 000. Je crois qu'on va le vendre et prendre celui-là et ensuite modifier notre arme. Hein. Je sais pas ce que vous pensez. Mais je pense qu'on va faire ça. Hein. Là, il y a la crosse pour un pompe. Ah, comment ils vendent la poudre noire. Tu veux savoir cool. Où on a des... Allez, déjà, on va te vendre ça. Ça, ça. Il vaut mieux pas ça. Et ça. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Déjà. Étranger. Voilà qui est bon. Je suis prêt à prendre ce une fusil. Somme pour ça. Les gars, parce qu'il m'a l'air vraiment bon. Fais-nous signe quand t'auras fait de la maintenant, place. Est-ce qu'on vendrait pas le pompe à la place? Je vais voir si on peut les comparer. Alors là, au niveau de mon pompe, j'ai 16,84 de puissance un en augmentant à fond. Besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois capacité, qu'à une lame. Ouais, 6, cadence de tir, ouais. Donc au niveau de la puissance, moi c'est ce que je regarde vraiment chez le pompe, c'est la puissance. Je suis à presque 8. En augmentant de 3 niveaux. Avec est-ce l'autre, que je peux t'aider pour autre chose? Je suis à 6 en augmentant aucun niveau. Donc je pense qu'on va se le prendre, mais on va vendre le pompe. Hein. On va faire ça, les gars. On va vendre notre pompe. Oh, et on va se prendre le nouveau pompe. Ah, ça, voilà. C'est un sacré fusil, là. Tu vas réduire tes ennemis en bouillie. Bien sûr, je le sais. Ah bah, c'est pour ça que je vous l'achète, monsieur. Hein. Bien évidemment.
On va réparer le couteau de combat, bien évidemment. Hein. Voyons voir. Ok, est-ce que je peux le voir vite fait là? Ah ouais, déjà il y a 7 balles. Ok. Bien, pas mal, allez. Pas mal du tout. Pas mal du tout ce que tu me proposes. Du coup, on va l'améliorer à fond, je pense. Hein. Si tu veux avoir une chance de j'ai les sous pour acheter lance-roquette, mais je me dis lance-roquette, peut-être pas maintenant encore. Écoutez, on va améliorer ça à fond. Ce que ça donne, franchement. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Allez, la capacité. Écoutez, hein, on est là pour se faire plaisir. On a une nouvelle arme. On l'augmente comme on peut. Et puis voilà, hein, ça mange pas de pain. On va se prendre un petit heal parce qu'on en a plus. Réserves au cas où. C'est une sage et puis. Ça, c'est quoi? Ah, je peux le racheter si jamais. D'accord. Ça, c'est cool. Des formules, tu en as pas. Des mallettes, tu en as pas. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. À vendre, j'ai plus rien. Là, je peux te prendre quelque chose, mais quoi? Là, j'ai pas envie de prendre ça parce que je pense que ça sert pas grand chose. Mon dos me fait souffrir. C'est le poids des ça, années je crois que je vais sentir, en prendre. Parce que mine de rien, faire des munitions, c'est pas original. Mal. Donc, on va se faire des balles. Tout de suite. Attends, viens, qu'est-ce que j'ai? De pompe, déjà. On va se faire des balles de pompe, déjà. Surtout. Ensuite, j'ai combien de balles de pistolet? 16 de fusil, de mitraillette. On va se faire des balles de mitraillette. Mitraillette, j'en ai pas des masses. Hop. Et après, eh ben écoute, il me reste des balles de fusil. Enfin, de pistolet. Et puis, on réorganise tout ça. Voilà, qui est propre. Et puis écoutez, on est plutôt pas mal. On a notre nouveau pompe. On a un soin. On a des balles. On a des balles. Pistolet, on a 26, qui est bien. Et ben voilà, et ben écoutez, on va se faire une petite sauvegarde parce que ça mange pas de pain, hein, bien évidemment. Voilà qui est bon. Et puis les gars, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a retrouvé Ashley. On a retrouvé Luis Serra également. On a une phase d'action tellement bonne, j'ai vraiment kiffé. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à partager, commenter, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous pensez du jeu? Parce que moi, personnellement, pour l'instant, je kiffe vraiment. Je trouve que le jeu est exceptionnel. Le remake est très très bon. On continuera la suite sûrement demain ou dans les prochains jours, les gars. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Enfin, journée ou soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la fois prochaine, c'est safe, prenez soin de vous, et je vous dis à la fois prochaine, tchuss!